Bibliothèque des tout-petits, sixième épisode, avec deux livres forts par leur contenu et leur illustration. 5 milliards de visages à l'école des loisirs et l'œuvre de l'un des vrais auteurs de textes pour la jeunesse, Peter Speer. C'est un ouvrage foisonnant et précis sur la diversité humaine, ses types, ses rites, ses croyances. Les métiers, les sports, les langues y sont présentés avec infiniment d'esprit et de finesse. La double page, consacrée aux hommes qui ont laissé un nom, pétille d'humour. Jésus-Christ voisine avec Pierre Corneille sur son billet de 100 francs et une calandre de Rolls avec la machine inventée par le docteur Guillotin. Chez le même éditeur, Sur les genoux de maman, Dan Herbert Scott et Glo Coulson racontent la vieille histoire du fils aîné jaloux des câlins prodigués par la mère ou petit qui vient de naître. L'expression des visages est fixée là avec un rare bonheur. Nous sommes dans une famille d'Esquimaux, pleine de chaleur, dans le froid polaire. N'oubliez pas, les mercredis et samedis, de jouer avec nous sur le Minitel, 3615, code France 3, pour gagner des livres pour les enfants, ainsi que des abonnements ou magazines partenaires de cette émission. Vous avez jusqu'au 11 décembre. Nos gagnants remportent un an d'abonnement à Family, un mini-guide du livre pour enfants et des livres.